Il y a plusieurs conditions cardiaques qui requièrent une évaluation en génétique. Ça inclut différentes maladies du muscle cardiaque, des cardiomyopathies, comme la cardiopathie hypertrophique, certaines formes de cardiopathie dilatée familiale, puis aussi la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Il y a aussi certaines maladies de l'électricité du cœur qui requièrent une évaluation en génétique. On pense au Brugada, au long QT, entre autres problèmes arythmiques, aussi à certaines formes de mort subite familiale inexpliquée. Il y a aussi certaines maladies du cholestérol qui sont familiales, puis certaines maladies de l'aorte qui sont familiales aussi puis qui requièrent une évaluation. Les patients qui sont évalués en clinique de génétique devraient premièrement s'attendre à rencontrer différentes personnes. On travaille en équipe. Il y a différents médecins qui ont différentes spécialités, des conseillères en génétique qui sont spécialisées dans le counseling génétique des patients, puis aussi des infirmières spécialisées qui travaillent avec nous. La première partie de la consultation, c'est de réviser votre histoire, puis réviser les examens qui ont déjà été faits pour vous, puis voir si d'autres examens sont nécessaires, soit pour clarifier votre diagnostic, mais aussi pour aider avec le traitement. Ensuite, on fait une évaluation de la famille. Ça se fait en général en faisant un arbre généalogique. Et on porte une attention particulière à tout ce qui est mort subite dans la famille, mais aussi des maladies cardiaques précoces. La partie suivante, c'est d'évaluer le traitement. Parfois, il y a des médicaments qui sont nécessaires, puis très rarement, il y a des procédures qui peuvent être nécessaires, comme l'implantation d'un défibrillateur, mais dans certains cas sélectionnés. Finalement, on discute, on répond à vos questions à propos de la maladie, à propos de l'évaluation familiale, puis on donne des conseils spécifiques aux différentes maladies génétiques. Parfois, on va discuter avec vous de l'inclusion dans des projets de recherche, dans certains cas, puis ça, c'est toujours évidemment optionnel. Un test génétique, c'est une prise de sang qui s'intéresse spécifiquement à l'ADN. L'ADN, ce que c'est les instructions qui permettent d'écrire les protéines qui sont nécessaires dans la fonction de différents organes, comme le cœur, dans le cas qui nous intéresse. Donc, on fait des analyses génétiques, à la fois parce que ça peut aider à faire le diagnostic, parce que des fois, ça peut orienter le traitement, mais aussi parce que ça peut nous aider avec le dépistage dans la famille. Si un test génétique est indiqué au moment de votre visite au centre de génétique, la prise de sang peut en général se faire le jour même lors de votre visite, puis cet échantillon-là est ensuite transféré au centre de génétique moléculaire ici à l'Institut de cardiologie de Montréal. Pour obtenir les résultats des tests génétiques, ça peut prendre quelques semaines à quelques mois en général. L'objectif de procéder au dépistage familial dans le cas de maladies génétiques, c'est de prévenir des complications potentielles. Dans certains types de maladies, le fait de savoir qu'on est affecté précocement permet d'éviter des complications comme, par exemple, l'insuffisance cardiaque, certains types d'arythmie, puis même dans certains cas, la mortalité. Comment on fait pour faire du dépistage génétique dans la famille? Bien, si le test génétique qu'on a effectué, par exemple, chez la première personne atteinte dans la famille est concluant, on peut l'utiliser pour dépister les membres de la famille. Si on n'a pas ceci dans la condition du patient, on peut procéder avec des tests standards. Ça peut inclure, par exemple, un électrocardiogramme, certains tests d'imagerie cardiaque, par exemple, ou des prises de sang. Si vous voulez plus d'informations ou vous pensez que vous êtes affecté par une de ces pathologies cardiaques d'origine génétique, vous devriez contacter votre médecin ou votre cardiologue.